Ils disent tout bruit de porte. Jonah! Lara! J'ai tellement de choses à te raconter. Ah bah il est pas mort lui. J'ai eu peur. T'as trouvé le tombeau du prophète? Oui, mais j'ai été suivi. Quoi? Mais par qui? Ils se font appeler les Trinitaires. Ils ont essayé de me tuer. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Tu commences à me faire peur. Le tombeau était vide, mais je crois qu'ils étaient venus pour la source divine. L'artefact après lequel courait ton père? C'est pas tout. Il y avait ce symbole dans le tombeau. Je me suis torturé l'esprit pour retrouver où je l'avais déjà vu. Et d'un coup, ça m'est revenu. Je l'ai vu ici, dans un des livres de mon père. C'est là, écoute. La cité perdue de Kitej, située en Sibérie. La cité aurait disparu dans le courant du XIIe siècle. Selon la légende, lorsque la horde mongole est venue envahir Kitej, elle a été engloutie sous un lac. Quel est le rapport avec l'artefact du prophète? C'est le même symbole. Lara, si la source divine est cachée quelque part dans les ruines de Kitej, à attendre que quelqu'un la découvre, alors il faut que j'y aille. En Sibérie? Tu te fiches de moi? Réfléchis un peu. Si cet artefact est la clé du secret de l'immortalité, tu sais, ça remettrait tout en question. La maladie, la souffrance, la mort, t'imagines? Non mais est-ce que tu t'entends parler? Jonah, on a traversé tellement de choses ensemble. Tu sais qu'on est entouré de mystères. Tu veux pas savoir? Mais je m'en fous pas mal de savoir. J'ai perdu presque tous mes amis. Je veux pas te perdre toi aussi. Mon père n'avait pas fait le lien avec Kitej. Tu sais qu'il a tout abandonné pour ça. Toi y compris. Arrête de t'en vouloir pour ce qui s'est passé. Il est l'unique responsable. Je vais pas laisser tomber. Pas maintenant, c'est tout ce qui me reste. N'importe quoi! Si t'arrêtais de t'agiter 5 minutes, tu t'en rendrais peut-être compte. C'est une racaille. J'espère qu'on pourra se balader dans la maison, mais bon. Je pense pas. Jonah? Ah. Ouh, elle a pris une tarte. Il a pris le bouquin. Stop! Lâchez ce livre! N'essayez pas de nous arrêter! Ah, c'était bien fait le bruit de l'arme. Putain, Lara! Qu'est-ce qu'on va faire? C'est moi qui leur ai montré la route. Si la source divine existe, il faut qu'on la trouve avant eux. Alors en route pour la Sibérie. Les mecs, ils partent de partout, tu sais. Un jeu, t'as fait tous les pays du monde. Ça claque, hein. Jonah, si tu peux m'entendre, tu dois rentrer. N'essaie pas de me retrouver. Comment elle tremble, elle a super froid là. Je dois faire ça toute seule. Putain, par contre, ouais, j'avais pas compris qu'en fait je croyais que c'était après. J'ai tout mélangé. Yo, l'autre il est encore vivant, Jonah, mais en fait. Faut que je trouve un abri. T'étais avant ou quoi?
Une sacrée chute. Ok, bon, elle a super froid. Faut que je trouve un abri, on va faire du feu, qu'est-ce qui se passe? En plus, y a pas un petit peu de neige. Je dois continuer. Allez, tu peux y arriver. Allez, bouge-toi. Bouge-toi. Qu'est-ce qu'il y a? Un vieux campement. Ah, j'ai cru qu'il y avait un truc de malade. Ah, mais comment tu veux faire un feu là-dedans? Super. Il faut que je fasse du feu. Ouais, c'est super, mais le problème c'est que... Il y a un peu pour faire du feu. Ok, on va chercher le bois alors, c'est ça? Ok, ça devrait le faire. Ressources pour faire du feu, construire un abri. Pour toute la nuit. Il m'en faut plus. C'est assez sec pour brûler. Enfin, j'espère. Fabrication de ressources. Tuer des plantes et dépecer les animaux pour fabriquer des objets. Okay. Peut-être quelque chose d'utile. Il y a des loups. Il y a des petits loups. Rejoins le feu de camp. Voilà, enfin, un feu. T'arrêtes pas de bouger. Oh lolo. On s'est fait un petit nid douillet, les tranquillous. Nos hommes passent les ruines des montagnes au peine fin. Si l'artefact est dans le coin, on le trouvera. Qu'en est-il des rescapés? Ils continuent à nous résister. Mais dans peu de temps, on aura réussi à les soumettre. Bien. Les Trinitaires croient en vous. Les Trinitaires. J'ai un truc qui me gêne. Là, j'avais un cil. Non, elle se crée un arc. Les choses commencent. J'espère qu'on... Je sais pas si on les flèches, on les a limitées ou on... Il va me falloir un arc plus solide. Si seulement cette douleur n'était pas aussi familière. C'est comme de regarder un vieil ennemi droit dans les yeux. Elle veut me détruire. Elle veut que je m'allonge et que j'abandonne. Mais je ne veux pas. Ok. Je ne veux pas. Un arc. Cet endroit cache quelque chose. Sinon, les Trinitaires ne seraient pas dans cet enfer glacé. D'accord. J'espère juste que Jonah est sain et sauf. Qu'il a réussi à rentrer. Je ne pouvais pas laisser me suivre. Pas cette fois. C'est quoi ces trucs là? Je ne pourrais pas le supporter. C'est ma quête. Je dois la poursuivre seule. Fabriquer des munitions, des nouveaux équipements. Enfin, juste par curiosité en fait. Ah ouais, faut les créer en plus. Ah, c'est complet, hein. Sacoche, sac à dos, porte-cartouche, cross, fusil à pompe. On s'en verra, ça, tout ça, hein. Je pense que ça sera au fil du temps, mais là, comme ça, c'est vrai que tu dis, oulala, je suis dans la merde. J'ai un point de compétence, c'est là où je peux m'améliorer.
Castagneur, compétence de soins de combat au corps à corps. Chasseur. Compétences. Ok, les compétences de fabrication et d'exploitation. On va regarder ça un peu vite fait. Ah ouais, c'est... En fuite, fabriquer des objets utiles, projectiles et des missions plus rapidement. Les ennemis tués ou mis à terre par des objets transportables, fabriqués, ouais, bon, putain. Ouais, bon, on va pas tout lire non plus, mais... Regardez ça. Les attaques armées au corps à corps des ennemis pour faire moins de dégâts peut être cumulées avec la compétence incroyable. Ok, mettez les ennemis sans armure à terre pendant une esquive. Ah ça c'est pas mal ça. Mais je compte m'affaire en furtive. Ça ramasse automatiquement. Putain, j'ai qu'un point depuis tout à l'heure. Dans la merde. On pourra voyager entre les camps. C'est bien, ça, c'est bien, c'est bien. Bon, bah voilà. Un petit succès en plus. Ah ouais, c'est ça, d'accord. Ok, comme ça, je pourrais faire des flèches. Du bois, tranquille. Oh, c'est pas mal, c'est pas mal. Franchement, j'aime bien. Plus, t'as le mode triche. Merde, il est où? Ah, il est là. Là, j'en ai 10. Je voulais voir pour créer des flèches, juste pour voir par curiosité. Armes. D'accord. Des vêtements. Ah, mais je peux changer tout de suite. Ah, c'est bon ça. Vu qu'il caille. On va se mettre en blanc. Je me trompe. Ah, la munition. Pas trop, j'en ai pas créé 37. Hein. Allez, on y va, on y va, on y va. Quoi ça, si je peux grimper dans les arbres? Ah, ça c'est bon. Un vrai ninja. Regardez-moi ça, petite caisse. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Surprise, motherfucker. Alors. Il y a un truc qui brille là-bas. Ces ruines. Elles sont d'origine mongole. Mais attends, attends, attends. Je vais essayer de me faire un lapin là. Faut pas hésiter à casser du bois. Hein. Football légende, ouais, salut à toi, bienvenue sur le stream. Excuse-moi, je t'avais pas vu. Vu qu'il n'y a pas grand monde sur le stream, je fais pas trop attention au chat. Ouais, j'ai vu un truc briller ici. Attends, je suis pas fou. Je suis pas fou. Hein. On va monter par là.
Comment ça? Des années durant, j'ai chevauché parmi une armée mongole en tant qu'émissaire de l'ordre de la Trinité. Malgré ses manières barbares, leur Khan est un grand seigneur de guerre. Je les ai aidés à renverser des nations, brûler des cités et assassiner des princes. Tout cela à seule fin de trouver le prophète. Le massacre des Russes n'a pas été vain. Comment c'est net? Parmi le butin, nous avons enfin trouvé une carte. Et voilà que ce matin même, après une saison entière passée en montagne, nous voyons des constructions émerger d'une vallée verdoyante, cernée par la glace. Nous avons trouvé Kitej. Kitej? J'ai promis au Khan que toutes les richesses seraient pour lui, et cela suffit à le motiver. Mais la véritable victoire sera pour Dieu, quand nous aurons purgé la terre des mensonges du prophète. Enfin, la source divine nous appartiendra. D'accord. Écoute, si tu le dis, je te crois. Je sais pas si on peut avoir l'inventaire plein ou... Faut ramasser tant qu'on veut des objets. Oh mais en vrai, il y a plein de trucs. J'aurais pu tracer tout droit, mais là, je fouille un peu. Une couronne d'un des princes de Kiev. Comment est-elle arrivée jusqu'ici? Ok, faut que je trouve un... Ah, ça tremble. Ça tremble plus. Quelqu'un la portait quand il s'est fait tuer. Bon? Ah oui, d'accord, parce qu'on voit que c'est cassé en vrai le point d'impact. Je comprends rien. Oh les gars, faut le calmer là, moi je comprends pas tout. Bon. Les Trinitaires, ils sont déjà là. Commandement, vous me recevez? Qu'est-ce qui s'est passé? Merde, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, je crois qu'il y avait un ours. Il s'est fait dégommer la gueule. Une grande partie de ce texte fait l'éloge d'une victoire militaire. Mais il semble avoir abandonné quelque chose, pas loin. Allez, allez, tu vas pas bien. Ah, je l'ai tué, je crois. Oh, je suis un vrai chasseur et tout. Voilà, il me faut de la peau. Faut chasser pour se mettre bien. Je comprends pas, il faut que j'aille. Ah, c'est là. Ok, c'était devant mes yeux. Moi, pas comprendre. C'est beau ça, c'est les... de détresse. Équipe de recherche ici Overwatch, répondez. Oh merde, je comprends pas. Ah c'est celui qui est mort tout à l'heure. Répondez. On a eu des interférences dans la dernière transmission. Hey. What, 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 what? Esquive. C'est mon épaule. Oh putain. Là, tu cherches pas à comprendre, tu vois un ours, tu cours. Hey. Qu'est-ce qui... Oh putain, ah, je m'attendais pas à ça, j'ai pas couru assez vite. D'accord. J'avais pas compris. Oh franchement, t'as pas droit à l'erreur quoi, c'est un truc de malade. Ils s'en foutent. Faut essayer d'éviter de marcher dans la neige en fait. Faut que je saute. Ouais, c'est bon.
Corps à corps, ma gueule. Je crois qu'il faut courir encore, parce que le bout de bois va pas tenir longtemps. Vas-y, dans ta tête. Oh mon dieu. Saute, je sais pas, fais quelque chose. J'ai rien compris, moi je crois que c'était une cinématique. Alors Doom, il est fun. J'avais joué qu'à la bêta en fait. Oh mais non. Une catastrophe. J'ai joué qu'à la bêta, j'ai pas joué au jeu, je l'ai pas acheté. Allez c'est bon là, j'y arrive, c'est bon, c'est bon. Esquive. Putain de QTE de merde. Esquivez. Aïe. On dirait qu'elle s'est fait mal au bras.